Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Les gens se souviennent de la cause, c'est sûr. C'est sûr que cette cause-là a choqué les gens de la région et de tout le Québec, parce qu'en plus, ça se passait durant le temps des fêtes. Par son regard, par sa... par comment est-ce qu'elle était, par sa prestance, là. Je le savais. Toute cette histoire-là, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance chez tout le monde. Même les enfants, de ne pas avoir une enfance tout à fait normale. Donc, tout le monde est souffrant. Madame Gauthier aussi est souffrante. Ça, c'est sûr. Le jeudi 1er janvier 2009 à Chicoutimi, Cathy Gauthier, 34 ans, ouvre les yeux. Ses trois enfants, Louis-Philippe, Marc-Ange et Joël, sont à ses côtés. Elle se retrouve dans son lit, elle ne sait pas trop pourquoi. Elle se réveille, elle a mal au poignet, elle gèle. Cathy déplace Louis-Philippe, son plus jeune. Joël et Marc-Ange semblent dormir paisiblement. Elle se lève et va se faire couler un bain parce qu'elle dit qu'elle a froid. Elle explique ça en disant « j'avais froid, tout ce qui me préoccupait, c'était de me réchauffer. » Cathy remplit le bain d'une eau très chaude et finit par se rendormir. Puis dans son deuxième réveil, là, elle réalise qu'est-ce qui vient de se passer. Cathy sort de la baignoire. Elle ignore quelle heure il est et combien de temps elle a dormi. Et là, c'est l'appel au 911. Quel est le problème? Dis-moi exactement ce qui s'est passé. J'ai un poignet ouvert. Mais... Cathy semble désorientée. La répartitrice lui confirme qu'elle envoie sans tarder des secours sur les lieux. Dès que Cathy voit les gyrophares apparaître, elle s'écroule. Pendant que policier lui porte assistance, sa coéquipière suit les traces de sang jusqu'à la chambre des maîtres. Elle découvre une scène horrible. Trois enfants sont sur le lit, immobiles. Un homme est étendu au sol. Personne ne respire. Les corps sont blancs et froids. Ils sont morts depuis un moment déjà. Des toutous sont disposés au pied du lit. Un chapelet est suspendu, bien en évidence. L'année 2009 vient à peine de commencer qu'un drame familial horrible vient bouleverser la vie tranquille de la communauté de Chicoutimi à Saguenay. Cathy Gauthier est transportée à l'hôpital en ambulance. Les policiers installent un périmètre de sécurité autour de la maison. Des journalistes ne mettent pas de temps à arriver sur les lieux. En fait, on est le 2 janvier quand moi, mon patron me réveille et me dit « Il faudrait que tu rentres travailler. Il y a un papa et trois de ses enfants qui viennent d'être trouvés morts à Chicoutimi dans une maison. » Alors, vite, vite, on s'habille, on arrive sur les lieux, il faisait froid, c'était par un froid sibérien.
les policiers procèdent à l'examen de la scène du drame. Un large couteau de cuisine est retrouvé près de la main de Marc Laliberté, le mari de Cathy, qui semble s'être pratiquement vidé de son sang. Les vêtements des trois enfants sont tachés de sang. Au centre hospitalier de Chicoutimi, Cathy crie et pleure. On la soigne pour une entaille profonde qui se rend jusqu'à l'os du poignet droit. Le médecin semble certain que Cathy n'a pu s'infliger elle-même une blessure aussi profonde. Un enquêteur se rend au domicile de la meilleure amie de Cathy. Le soir, aux deux, on est en pleine réception à la maison. J'ai environ 12 invités. Puis c'est là que les policiers me demandent « Connaissez-vous Marc Laliberté? » Je fais comme allumer. Fait que, tu sais, la première chose que je leur ai demandé, c'est les enfants. Puis là, ils ont fait signe que non. Fait que là, les genoux me flangent. Les rumeurs commencent à circuler. Plusieurs pensent que Cathy et ses trois enfants ont été victimes de leur père, Marc Laliberté. Toute la journée, on a essayé de savoir qui étaient ces gens-là. On allait cogner chez les voisins. C'était une famille très discrète. Les voisins n'étaient pas nécessairement au courant. L'histoire familiale et amoureuse de Cathy Gauthier n'a pas toujours été facile. Moi, Cathy, je l'ai connue à 5 ans. On était en maternelle ensemble. Tu sais, Delbeau, c'est pas grand. Fait qu'en fait, on était vraiment plusieurs années dans la même classe. Cathy, elle est venue au monde le 14 février 1974. Le père biologique de Cathy est décédé, lui, lors de la grossesse de la mère. La mère biologique de Cathy Gauthier a de graves problèmes de santé. Elle donne sa fille en adoption, mais garde son fils aîné avec elle. Elle avait toujours à l'esprit, moi, ma mère, elle me laissait tomber. Moi, ma mère biologique, elle a préféré mon frère. Elle n'est pas capable de s'occuper de moi. Les problèmes de Cathy sont suffisants pour qu'en 1996, à l'âge de 22 ans, Cathy se fasse diagnostiquer personnalité limite. Avant de rencontrer Cathy Gauthier, Marc Laliberté connaît lui aussi son lot de déboires. Marc, lui, c'est un ancien militaire, mais c'était une personne là, qui se pensait le mouton noir de sa famille. Fait que, tu sais, il pensait qu'il n'était pas accepté, il pensait qu'il n'était pas aimé. Là. Marc et Cathy se rencontrent le 19 septembre 2000. Ils habitent la même maison de chambre à Dolbeau-Mistassini, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La chimie est au rendez-vous. Cathy lui parle de sa petite fille de 4 ans, Joël, qui n'habite pas avec elle et qui lui manque. Marc lui confie qu'il a eu 3 enfants d'une union précédente. Marc tombe amoureux fou de Cathy. Ils discutent jusqu'aux petites heures du matin. Quand Cathy aimait, il n'y avait rien pour changer ça. Là. Quand là, que tu faisais partie de sa vie et qu'elle voulait vraiment t'avoir, il n'y avait rien pour changer ça. Cathy s'installe dans la chambre de Marc. Ils ne se quittent plus. Marc initie des démarches pour que Cathy récupère Joël, alors élevé par ses grands-parents paternels. Marc est heureux de s'occuper d'elle et la considère comme sa propre fille. Le couple déménage une première fois à Chibougamau, dans le nord du Québec, là où est née Cathy. Là, elle était bien avec Marc. Fait que, dans le fond, elle a commencé à se faire une petite vie, puis ils ont été ensemble là, 8 ou 9 ans environ. Cathy tombe bientôt enceinte. Elle exprime alors le désir de s'éloigner de sa mère biologique. Le couple décide de déménager à Gaspé, à 1200 km de là. Il n'y avait aucun contact avec les grands-parents maternels. Il n'y avait aucun contact avec les grands-parents paternels. La naissance du petit est prévue pour le mois de juillet 2001. Ils savent que ce sera un garçon et choisissent de l'appeler Marc-Ange. Marc, il était vraiment attentionné envers Cathy, puis il amenait des fleurs une fois par semaine, puis il la flattait vraiment, là, puis il prenait soin de Cathy, puis c'était son centre de son univers à lui, là. Il la traitait comme une reine. Tu sais, là, il fallait qu'elle se maquille, il fallait qu'elle soit belle, il fallait pas trop qu'elle travaille. Tu sais, en fait, là, c'était un beau bibelot. Cathy Gauthier retrouve, c'est sûr, chez Marc Laliberté, une certaine stabilité. Les corps de Marc et des 3 enfants sont envoyés au laboratoire de sciences judiciaires de Montréal pour une autopsie complète.
l'hypothèse d'un drame familial initié par Marc, auquel Cathy aurait miraculeusement survécu, continue d'alimenter les conversations. Par contre, l'enregistrement de l'appel effectué par Cathy au 911 met les enquêteurs sur une autre piste. C'est clair, net et précis. Quand elle fait l'appel aux ambulanciers, elle décrit, elle est d'abord dans tous ses états. OK, c'est une tentative de suicide, madame. C'était un fait. Mon mari a tué nos trois enfants. Une note collée sur la porte de la chambre des maîtres renforce l'hypothèse du pacte. Ne pas nous réanimer. Notre désir est de partir en paix. C'est la Sûreté du Québec qui est venue nous annoncer en point de presse que effectivement il y avait eu un pacte de suicide et que trois enfants étaient morts de cette histoire-là. Pourtant, durant le même appel effectué au 911, Cathy mentionne également que ses trois enfants sont morts et que c'est son mari qui les a tués. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? À l'hôpital, Cathy affirme qu'elle ne se souvient de rien et qu'elle n'a jamais voulu mourir. Que s'est-il réellement passé dans cette maison du Saguenay le soir du 31 décembre 2008? Le 1er janvier 2009, une histoire tragique bouleverse la ville de Saguenay, puis rapidement tout le Québec. Les gens ont du mal à croire qu'un pacte de suicide entre deux parents soit responsable de la mort de trois enfants innocents de 12, 7 et 4 ans. Cathy, là, c'était une super de bonne mère. Là. Les enfants, ils manquaient de rien. Là. Elle les a jamais battus, elle les a toujours respectés. T'sais, elle était autoritaire, mais elle a toujours pris soin là, d'eux autres. Là. T'sais, elle les a jamais négligés. Ils étaient beaux, ils étaient propres, ils sentaient bon, ils étaient polis. Pour elle, là, ça, c'était le paraître, là, c'était super important, le paraître. Même si Joël n'avait pas le même père que Marc-Ange, elle le considérait comme son frère. En 2002, nouveau déménagement. Le couple quitte Gaspé et s'installe à Amos, en Abitibi, pour que Marc se rapproche de sa mère. En juin 2003, Marc fait un AVC. Peu de temps avant Noël, il est victime d'un infarctus. À peine trois semaines plus tard, il retourne au travail. Louis-Philippe naît en 2004. Depuis son infarctus, les emplois que Marc occupe sont précaires ou peu rémunérés. Cathy, elle, ne travaille pas. En 2005, Cathy se plaint d'avoir mal partout et dit avoir de la difficulté à se déplacer. Elle obtient un diagnostic de fibromyalgie. En 2008, Marc perd sa mère et plonge dans une profonde dépression. Cathy trouve sa situation difficile. Elle reprend contact avec Cathy Ouellet, son amie d'enfance, qui habite à Saguenay. Au fil des années, les deux amies s'étaient perdues de vue. Cathy là, était étouffante, était entreprenante, était trop intense. C'était tout le temps des histoires, puis fini, puis... Tu sais, il y avait tout le temps des problèmes. C'était tout le temps plus que les autres. C'était tout le temps... Tu sais, elle demandait vraiment beaucoup de soins. Cathy, là, c'était pas une personne qui prenait soin d'elle. C'était les autres qui prenaient soin d'elle. Et ce qui est important, c'est les mécanismes de défense qu'ils vont développer quand il y a des stresseurs qui vont être vécus. C'est des gens qui ont une crainte énorme d'être abandonnés, qui ont l'impression que s'ils sont abandonnés, ils vont mourir. Donc, ils vont rechercher des relations avec des gens qui vont vouloir le plus fusionnel possible. Plus on est proche de quelqu'un, dans leur tête à eux, plus c'est rassurant. Et si la relation commence à être ébranlée, ils vont avoir besoin de retrouver une autre relation, au moins aussi satisfaisante pour eux. C'est des gens qui vivent des émotions très fortes. L'année 2008 continue d'amener son lot d'épreuves. Un beau jour, Cathy informe Marc que leur voisin l'aurait agressé sexuellement. Elle supplie Marc de déménager à nouveau. Elle veut aller vivre au Saguenay, où habite son amie d'enfance, Cathy Ouellet. Marc hésite, mais Cathy met de la pression. S'il refuse, elle déménagera quand même avec les enfants. Marc abdique. Cathy Gauthier retrouve Cathy Ouellet,
et espère que tout ira mieux. Cathy et Marc, là, quand ils sont arrivés ici, ils n'en avaient pas d'emploi. Marc, lui, il avait un emploi là-bas. Ça allait pas tellement bien, mais... Fait que là, financièrement, Marc était sur l'assurance-emploi. Le couple décide de louer une jolie maison dans un beau quartier. Les frais fixes sont importants, ce qui crée beaucoup de pression sur Marc, qui n'arrive toujours pas à se trouver d'emploi stable. Et ça m'inquiétait parce que la maison était... Tu sais, elle avait une maison avec un logement de 1250 par mois, pas chauffé, pas éclairé, avec un auto-crédit troisième chance. Tu sais, ils travaillaient pas. Marc Laliberté et Cathy Gauthier étaient un couple qui vivait des difficultés financières importantes. Le 6 octobre 2008, Marc et Cathy se retrouvent devant un passif de près de 85 000 $ contre un actif de 20 300 $. Ils n'ont d'autre choix que de déclarer faillite. Pour Marc, c'est un échec. Et Cathy ne se gêne pas pour le lui reprocher. Quand elle a vu que Marc se dépréciait, ben là, elle a renchéri là-dessus. T'es pas bon, t'es pas capable de faire vivre ta famille, t'es pas capable de prendre soin de nous autres. Fait que là, ben là, lui, il s'est encore plus déprécié, il s'est encore plus refermé. Cathy se résout à chercher du travail. Mais là, faut pas se leurrer, là. Cathy, je pense qu'elle a travaillé en tout, là, dans sa vie, là, 6 à 8 mois. Fait que là, ici, dans sa vie, là. Fait que là, ici, elle a travaillé 6 semaines, puis en 6 semaines, elle a fait 4 places différentes. Fait que, tu sais, là, les emplois n'étaient pas capables de les garder. Vers la mi-novembre, la frustration de Cathy est telle qu'elle décide de quitter la maison. Elle demande à son ami de l'héberger. La personne qui a un trouble de personnalité limite a deux choix. Ou bien elle trouve quelqu'un d'autre, ou bien elle pousse encore en essayant de changer cette personne-là pour qu'elle lui donne ce dont elle a besoin. Marc est dévasté. Il lui dit que si elle divorce, elle n'aura pas les enfants. Cathy revient à la maison, mais entre elle et Marc, rien ne va plus. Le couple a beau discuter, il n'arrive plus à s'entendre. À partir du moment où la souffrance intérieure est trop grande et qu'ils ont besoin carrément de changer de vie, carrément de se trouver quelqu'un d'autre qui va combler leurs besoins, à ce moment-là, il y a un désinvestissement qui peut se faire. Dans le sens que quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite peut assez facilement changer du jour au lendemain un conjoint pour un autre, sans avoir besoin de faire de deuil. Dans la maison de Chicoutimi, la scène du crime est passée au peigne fin. Dans la cuisine, sur le comptoir, on trouve des flacons de médicaments vides, ainsi qu'un épais dossier de documents et de lettres. La police s'y intéresse. L'ordinateur contient lui aussi de nombreux dossiers et des courriels qui apportent un éclairage percutant sur la situation du couple et les états d'âme de Cathy et de Marc. Sans travail avant les fêtes, ça provoque une situation explosive. Cathy Gauthier essayait désespérément de se chercher un emploi. Marc Laliberté était très, très dépressif durant la période. Ça ressort des lettres. Le porte-document trouvé dans la cuisine contient une histoire de vie de la famille et un testament. Certains des documents du pacte ont été écrits par Cathy. Sa signature figure sur le testament et sur les dernières volontés de la famille. Cathy Ouellet se rend à l'hôpital pour visiter son amie. Quand elle évoque l'hypothèse d'un pacte entre elle et Marc, Cathy Gauthier nie avec vigueur. Elle jure qu'elle n'aurait jamais fait de mal à ses enfants et que Marc est responsable de tout. Quand moi, je suis arrivée à l'hôpital, elle me dit « J'ai jamais voulu mourir. » Dans les médias et la communauté, les gens, émus par le drame de cette femme qui vient de perdre toute sa famille, sont portés à lui donner le bénéfice du doute.
Par contre, plus les enquêteurs examinent les documents laissés par le couple, moins il semble que Cathy n'ait été qu'une victime. Quelle a été la réelle implication de Cathy Gauthier dans le plan funeste qui a coûté la vie à ses trois enfants? Cathy Gauthier, 34 ans, a survécu à la mort de ses trois enfants âgés de 4, 7 et 12 ans et à celle de son conjoint Marc Laliberté. Le fait qu'elle ait clairement parlé d'un pacte de suicide au cours de son appel au 911, puis qu'elle ait ensuite affirmé le contraire, rend le travail des enquêteurs délicat. L'autopsie confirme le suicide de Marc par une lacération profonde de 7 cm au poignet gauche, ayant sectionné l'artère radiale. Il avait préalablement absorbé des antidépresseurs et de l'acétaminophène. Le fait que les enfants n'aient aucune blessure confirme que le sang retrouvé sur leurs vêtements était celui de leurs parents. Par contre, l'antidépresseur de Marc et des antinauséeux sont décelés dans leur contenu gastrique. Même si Cathy Gauthier affirme qu'elle n'est pas responsable de la mort de ses enfants, certaines caractéristiques de sa personnalité, révélées par l'enquête, commencent à jeter un éclairage différent sur le drame. Les gens qui ont une personnalité limite, c'est souvent des personnes qui ont eu des difficultés dans l'enfance, qui peuvent avoir eu des carences à différents niveaux, qui peuvent avoir vécu des traumatismes, des abus, de la négligence. C'est une personne où est-ce que le « je me moi, mon maman » était très important. C'est elle, pour qu'elle soit bien. Elle s'accrochait à des gens, puis il y avait juste cette personne-là, fait que ça devenait étouffant, ça devenait lourd. Les personnes qui vont être en relation peuvent même finir par s'épuiser à essayer de combler cette personnalité limite-là qui devient de plus en plus triste, de plus en plus maussade, de plus en plus souffrante. En 2000, quelques semaines seulement avant de rencontrer Marc, Cathy écrit des lettres de désespoir à son entourage avant de s'ouvrir les poignets. Cathy, elle a toujours eu les idées suicidaires parce que c'est un appel à l'aide, parce que là, il y avait beaucoup de monde pour prendre soin. Mais elle, elle n'a jamais voulu mourir. Il s'agit alors de sa quatrième tentative de suicide en moins de 2 ans. En fait, là, ben, ces tentatives de suicide, là, ça a pas mal toujours été pour les garçons. 2 ans avant, elle avait connu un garçon, et puis là, bien, la relation termine, puis tout ça. Lui, il part, parce que là, tu sais, c'était quand Cathy, là, à Dijon, là, ben, tu sais, c'est tout au revoir, là. Les personnalités limites qui va faire une tentative suicidaire, elle a vraiment des idées suicidaires. Mais il y a toujours une ambivalence parce que se suicider, c'est se retrouver seul, c'est être abandonné de tout le monde. Donc, c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Mais en même temps, la vie est souffrante, la vie est difficile. L'idée de pouvoir mourir, ça rassure de savoir qu'on a toujours cette porte de sortie-là quand la vie va être trop difficile. Cette fois, Cathy s'ouvre les poignets en présence de sa fille. Elle va jusqu'à maculer les murs de son sang. Elle s'était ouvert les vignes, puis elle avait monté sur une chaise, puis elle en avait étendu là, presque jusqu'au plafond. C'est un message qu'on envoie à notre environnement, « Je suis souffrant ». Et plus on l'a fait de façon théâtrale, plus ces gens-là ont l'impression que ça envoie un message important. Il faut comprendre que c'est une arme à double tranchant parce que on peut faire une tentative suicidaire et la première fois, ça va rallier tout le monde autour de nous. Ça va nous apporter beaucoup de réconfort, beaucoup de soutien. Mais si on veut jouer cette carte-là une deuxième fois, mais il faut que la tentative soit un peu plus théâtrale et qu'on montre qu'elle est un peu plus sérieuse si on veut générer le même émoi autour puis générer la même réaction. Leur but étant pas tant arrêter que ça à l'idée de mourir, mais le besoin de rendre ça le plus crédible possible. Ils peuvent des fois poser des gestes létaux. On a terminé la relation parce que moi, je trouvais ça inacceptable qu'elle ait fait cette tentative de suicide-là devant sa fille. Là, je trouvais qu'elle avait vraiment besoin de soins. Là, moi, je trouvais que j'étais plus capable de répondre à ses besoins. De toute façon, je ne pouvais pas la sauver. Parce que c'est ce que je lui ai demandé. Cathy est donc admise à l'hôpital. C'est à partir de ce moment que Joël, alors âgé de 4 ans, est envoyé chez ses grands-parents paternels. Cathy est suivie et traitée pour dépression.
Ébranlée par les preuves qui s'accumulent contre elle, Cathy commence à moduler sa position. Elle reconnaît qu'un pacte existait, mais qu'elle s'en est retirée et qu'elle a même déchiré des documents devant Marc pour lui signifier son désaccord. Elle prétend que Marc se serait entêté, l'aurait empoisonné, elle et les enfants à son insu, et lui aurait sectionné le poignet. Pourtant, au même moment, les anciennes patronnes de Cathy, sa mère biologique et sa meilleure amie, reçoivent des lettres remplies de reproches et de haine, écrites et signées par Cathy, quelques heures seulement avant le drame. Les lettres disent tout autrement, là. Les lettres disent « Nous sommes partis ensemble pour un monde meilleur et nous avons choisi d'apporter nos enfants parce que nous ne pouvons les laisser. » Tu sais, ça, là, ben... Quand je l'ai vue, là, Cathy, là, ben, j'ai vu que c'était pas la décision à Marc, que c'était la sienne, que c'est elle qui l'avait montée. Le 3 janvier 2009, les policiers passent à l'action. Cathy Gauthier est officiellement arrêtée pour le meurtre prémédité de ses 3 enfants. Le lendemain, Cathy est soumise à un interrogatoire de plus de 3 heures. Hey, Cathy, t'es en état d'arrestation actuellement. Non, je sais. Elle réaffirme avoir été droguée par Marc à son insu. Quand l'enquêteur lui suggère qu'elle aurait pris une part active dans le pacte de suicide, Cathy perd son calme et va même jusqu'à le confronter sans répondre à ses questions. J'imagine que ça va m'en venir, là. Mais là, aujourd'hui, là, je me rappelle plus. Là je suis rendue à mon maximum. Là. Comprends, Cathy. Ça fait une heure que je demande de m'en aller dans ma chambre et je suis encore assise ici. Fait qu'avant que mon agressivité monte plus puis que ça joue encore plus contre moi, là, j'aimerais ça retourner dans ma chambre. Même si Cathy maintient qu'elle n'est pas responsable de la mort de ses enfants, les policiers réussissent à proposer une séquence vraisemblable de la manière dont aurait pu se dérouler ce terrible drame. Le 1er janvier 2009, Marc Laliberté et ses 3 enfants sont retrouvés morts dans le domicile familial. Cathy Gauthier, la mère des enfants, a survécu. Même si elle jure de son innocence, les policiers sont d'un autre avis. D'après eux, l'engrenage infernal se serait mis en branle au début du mois de décembre 2008. Le 6 décembre, le couple reçoit un avis de leur propriétaire. Ils n'ont toujours pas payé leur loyer. Le propriétaire menace de les expulser. Le mardi 9 décembre, Cathy demande à son ancienne patronne de la reprendre. Celle-ci ne croit pas que Cathy va donner un meilleur service aux clientes. Elle refuse. La pression monte. Le couple se résout à envoyer un chèque au propriétaire. Ils font le point sur leur vie, leur avenir. Il n'entrevoit aucune lumière au bout du tunnel. Quand ils sont en relation avec quelqu'un et ça va bien, ça va très, très bien. Donc, souvent, ils vont faire vivre le même genre de relation à leur partenaire aussi. Donc, c'est des gens qui peuvent vivre des choses très, très enthousiasmantes et même enivrantes. Par contre, quand ça va mal, ça va très mal. C'est des gens qui peuvent avoir des pulsions de mort, l'impression que s'ils sont abandonnés, ils ne sont rien, ils vont mourir. À un moment donné, au bout de plusieurs journées, plusieurs semaines de difficultés, le couple conclut un pacte de suicide. Pour Cathy, qui a déjà fait plusieurs tentatives, le suicide apparaît comme une solution. À partir du moment où ça leur passe par l'idée qu'ils peuvent amener leurs enfants avec eux, c'est là que ça devient extrêmement dangereux, parce qu'ils vont projeter cette souffrance-là, cette vie de misère-là qui attend leurs enfants, puis ils se disent, non seulement je me sauve, moi, de la souffrance, mais j'évite cette souffrance-là à mes enfants. Le 19 décembre 2008, Marc écrit à nouveau au propriétaire de la maison pour l'informer que le chèque qu'il lui a envoyé sera en arrêt de paiement. Il explique que lui et sa femme ont décidé d'utiliser cet argent pour fêter Noël.
En même temps, Cathy organise l'envoi d'une mise en demeure à son ancien voisin pour agression sexuelle. L'heure est au règlement de compte. Avec l'argent du loyer, Marc et Cathy décident d'offrir à leurs enfants le plus beau Noël de leur vie. Le 27 décembre 2008, Cathy revient de la pharmacie avec un renouvellement de prescription pour Marc et des antinauséeux pour enfants. Le lendemain, le 28 décembre, Cathy panique et remet le plan en question. Elle écrit à une fondation en les suppliant de les aider. Elle parle de leur famille, de leur expulsion imminente. Elle fait la liste de leurs problèmes de santé, mentionne l'agression sexuelle dont elle a été victime. Le courriel est intitulé « Un miracle, s'il vous plaît ». Deux jours plus tard, elle n'a reçu aucune réponse. Elle joue sa dernière carte. Le 30, je vais chez elle, j'arrive, puis tu sais, elle m'offre un café. Fait qu'elle dit, ben tu sais, pour m'emmener dans la chambre pour pouvoir me parler, elle me dit, viens, je vais aller te faire essayer du linge, parce que dans le fond, moi, je travaille plus, puis toi, t'en as vraiment besoin. Elle dit, tu travailles tout le temps, tu travailles dans un bureau, puis ça coûte cher. Cathy se met à sortir quelques morceaux, puis elle vide ses armoires et ses tiroirs. Ben tu sais, c'est le signe qu'elle n'a plus besoin pantoute de vêtements. Tu sais, c'est pas rien que ton plus beau parce que tu travailles plus dans des boutiques, là. C'est tout le linge, là. Tu sais, là, j'aurais dû aussi allumer, mais j'ai pas allumé. Puis, elle commence à parler de ses problèmes financiers. Sans doute, espère-t-elle que son amie d'enfance lui prête de l'argent. Elle me dit, moi, là, je trouve vraiment... Puis ça drôle parce qu'elle dit va falloir encore que je déménage, puis elle dit faut encore que je fasse subir ça à mes enfants, puis je veux pas les emmener dans une place moindre que qu'est-ce qu'il y avait là. Là je dis, tu sais, j'ai dit moi si je vivrais avec mon conjoint, mes enfants dans une tente, je serais heureuse pareil. Fait que c'est pas ça l'important. L'important c'est que tu sois ensemble. Mais là, tu sais, le découragement là, il s'est comme emparé d'elle. À ce moment, Joël entre dans la chambre et interrompt la conversation entre les deux femmes. Elle me regardait avec ses grands yeux. Mais tu sais, elle voulait me parler, là. Je le sais qu'elle voulait me parler, mais elle ne pouvait pas me parler parce que sa mère était juste à côté de moi. Mais tu sais, j'avais une impression de « viens donc dans ma chambre, j'ai quelque chose à dire ». Mais Cathy Ouellette est sur son départ. Moi, j'ai une formation qui me permet de lire sur les livres assez facilement. C'est sûr, là, je peux pas être certaine de ce qui a été dit, mais moi, je vois Cathy se pencher envers son conjoint puis lui dire « c'est correct qu'on le fait ». Mais tu sais, on le fait quoi? Moi, j'ai juste vu « c'est correct qu'on le fait ». Moi, je crois que c'est à ce moment-là que la décision a été prise. Le 31 décembre, en après-midi, Marc et Cathy écrivent leur dernière volonté. Cathy précise que ses enfants ne souffriront pas et qu'ils vont partir. Elle écrit à sa mère biologique qu'elle est grosse et qu'elle est la paresse incarnée. Elle accuse sa meilleure amie, Cathy Ouellette, de ne pas lui donner une partie de ses REER pour sauver sa famille. Le ton des lettres oscille entre désespoir et colère. D'autres lettres sont envoyées à ses ex-patronnes. Elles leur souhaitent que l'année 2009 soit impitoyable. « Je vous attends en enfer. Vous avez provoqué votre perte », ajoute-t-elle, juste avant sa signature. Après le souper, on se prépare à faire finalement une soirée cinéma avec les enfants. Le 31 décembre à 19h, Joël démarre le DVD et tout le monde s'installe. Une demi-heure après le début du film, les enfants ont droit à du pop-corn. Marc Laliberté va à la cuisine, prépare des verres à des cocktails.
C'est là qu'il dissout ses médicaments et des antinauséeux dans les verres destinés aux enfants. Il se prend une bière et un cooler pour Cathy. On distribue le pop-corn et les verres. Et on revient au film. Les enfants boivent le cocktail en question. Tout le monde semble relaxé. C'est dans ces termes qu'elle décrit la situation. Louis-Philippe s'endort en premier. Joël se plaint que ses jambes picotent. Marc-Ange se sent lourd. Il transporte les enfants vers leur chambre. Marc et Cathy vont à l'ordinateur et envoient quelques ultimes courriels, dont un adressé aux médias. Marc demande à la population de ne pas les juger. Il écrit « Nous avons décidé de quitter ce monde et d'emporter avec nous nos enfants, notre seule richesse. Ce n'est pas un geste cruel, c'est de l'amour. » Cathy et Marc rassemblent les documents sur le comptoir et absorbent à leur tour les médicaments. L'ADN de Cathy n'a pas été retrouvé sur le manche du couteau ni sur les verres des enfants. Par contre, c'est bien elle qui a été à la pharmacie et sa signature se retrouve sur plusieurs des documents qu'ils ont laissés derrière eux. Sa culpabilité pourra-t-elle être prouvée? Le 10 janvier 2009, les funérailles de Marc, Joël, Marc-Ange et Louis-Philippe Laliberté ont lieu à Saguenay. La communauté est atterrée. Cathy n'assiste pas aux funérailles de ses propres enfants. En attendant son procès, elle séjourne dans un centre pour femmes. Elle tente une nouvelle fois de se suicider. Elle réussit à accumuler sa médication. Et par la suite, on a appris qu'elle avait tenté d'ingurgiter tous ses médicaments et de faire une autre tentative de suicide à l'intérieur de cette maison-là. C'est pourquoi le juge, par la suite, a décidé de la renvoyer en prison pour se protéger contre elle-même. Le 5 octobre 2009, le procès commence. L'émotion dans la salle est palpable. Cathy apparaît au banc des accusés. Quand elle est apparue la première fois aux caméras, elle apparaissait très fragile, toute chétive, blessée. Donc, les gens dans la population, au départ, avaient comme une certaine empathie pour cette femme-là, essayaient de lui trouver une explication à ce qui s'était produit. Son aspect, peut-être, influençait les gens. L'avocat de Cathy prétend qu'elle est restée dans le salon sans savoir que Marc était en train de dissoudre les médicaments dans les breuvages des enfants.
Il rappelle qu'elle n'a pas pu s'infliger elle-même sa blessure au poignet. Il demande au jury de ne pas se laisser influencer par son trouble de personnalité. La preuve de la couronne repose sur l'appel au 911, sur le fait qu'elle s'est rendue 4 jours avant le drame à la pharmacie acheter des médicaments et sur le contenu de certaines lettres. Quand elle a témoigné pour la première fois, sa personnalité est apparue comme quelqu'un qui sait très bien manipuler les émotions, qui sait très bien aussi faire paraître qu'elle a vécu des difficultés, qu'elle est une femme, un enfant adopté, qui a déjà fait plusieurs tentatives de suicide et tout ça. Elle s'exprime bien, elle décrit les événements, elle pleure quand c'est le temps. Donc, c'est quelqu'un qui apparaît au départ très fragile, mais qui par la suite, on le voit bien que c'est de la manipulation. À un moment donné, quand elle témoigne et qu'elle parle de ses enfants, elle pleure et elle s'effondre par terre. Elle retrouve très rapidement ses moyens. Donc ça, c'est sûrement un élément qui a dû influencer les membres du jury. Il y avait un jury, entre autres, qui prenait des notes, je me souviens, qui ne la regardait même plus, là. Au terme d'un procès de 3 semaines, le juge propose 3 verdicts au jury. Meurtre prémédité, meurtre non prémédité ou acquittement. L'homicide involontaire n'est pas retenu. La délibération a duré à peine quelques jours, là, dans un procès aussi important qui parle de triple meurtre prémédité. Le jury avait probablement son idée de fait. Le samedi 24 octobre 2009, le président du jury déclare l'accusé coupable du meurtre prémédité de ses 3 enfants. Cathy Gauthier est condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de remise en liberté conditionnelle avant 2034. Elle aura alors 60 ans. Fait que là, tu sais, j'en ai fait 2-3 des visites, mais c'est parce que c'était moi, c'était mon cœur de mère à moi qui voulait pas l'accepter. Tu sais, c'était mon cœur d'amie. C'était mon cœur de 2 petites filles qui avaient 5 ans, tu sais, dans le temps. J'ai jamais cru la version qu'elle a dit au procès, que c'était pas elle, que c'était la faute à Marc. Je sais que c'est vrai, qu'elle a jamais eu le goût de mourir. Ce qu'elle voulait, c'était se déresponsabiliser. Il n'y en a jamais eu de remords. Il n'y en a jamais eu de remords. Il y a eu un manque de conscience, mais il n'y a jamais eu de remords. Cathy n'en avait pas de remords. Cathy était à vie avec ce qu'elle a fait. Que ça soit bon, que ça soit mauvais. Mes enfants, eux aussi, ont eu beaucoup de difficultés à comprendre. T'sais, comme ma fille a dit qu'elle ne veut plus qu'on lui dise qu'on l'aime parce que Cathy Gauthier disait ça à ses enfants. Fait qu'elle avait peur qu'on fasse la même chose que Cathy Gauthier a fait à ses enfants. Fait que... C'est toujours les autres qui ont pris soin d'elle, que ça n'a jamais été elle. Fait que prendre soin d'elle, prendre soin d'une progéniture, de 3 enfants, d'assumer ses responsabilités, d'assumer le côté financier, d'assumer le côté parental, bien ça, c'était trop pour elle. Elle était capable, peut-être, rien que juste pour elle, puis encore là, même pas. La succession des problèmes personnels et financiers de Cathy et de Marc aura coûté la vie à leurs 3 enfants. Cathy, qui en était à sa 5e tentative de suicide, voulait-elle réellement mourir avec eux? L'idée de survivre et de refaire sa vie, lui aurait-elle effleuré l'esprit? On peut pas faire n'importe quoi et se déresponsabiliser du simple fait qu'on est souffrant. Donc oui, dans cette histoire-là, ça fait pitié. Tout le monde souffre, tout le monde fait pitié. Mais il y a une limite qu'il faut mettre à quelque part à l'effet que cette souffrance-là seule ne justifie pas qu'on en cause à d'autres. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Ils ont la rage, sont déviants et habités par le mal. Enfant tueur, dans un instant, au Vendredi policier.
rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Les enfants viennent pas au monde avec un manuel, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard. Elle était quand même en confiance parce qu'elle était avec une amie. Je pense que c'est ce qui a fait en sorte qu'elle n'a pas été prise de panique. C'est sûr que j'étais un paquet de nerfs, je peux être sûr. Ça m'a donné un choc épouvantable. Parce qu'une affaire de même, je n'avais jamais vu ça. Le 19 août 2007, Isabelle Beaunoyer et Brigitte Lavallée, deux prostituées de la ville de Sherbrooke, se réveillent en compagnie de leur revendeur de drogue et ami, André Filion. La veille, comme à leur habitude, ils ont tous les trois consommé une grande quantité de cocaïne. Et ce matin-là, ils sont encore amochés. Il faut comprendre que chez les toxicomanes très actifs, ce qui est le plus important, c'est de se procurer la substance dont on a besoin. On a une dépendance, notre vie tourne autour de cette substance-là. Les amis qu'on va avoir sont souvent des amis du même milieu qui vont partager les mêmes besoins. Donc, on va se reconnaître dans ces gens-là, mais c'est rarement des amitiés qui vont être au-dessus de tout parce que ce qui prime, c'est de se procurer la substance. Ça, c'est clair. Dans quelques heures, l'emprise insidieuse de la drogue ravagera la vie des trois amis. Isabelle Beaunoyer naît le 13 juin 1983 à Sherbrooke. Ses parents se séparent lorsqu'elle est encore une enfant. Dès l'adolescence, Isabelle montre des signes de rébellion. La direction de son école considère que sa tenue vestimentaire est si provocante qu'elle est renvoyée de l'institution. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Car malgré son jeune âge, Isabelle n'en est pas à ses premiers écarts de conduite. Sa mère, impuissante et exaspérée, décide de l'envoyer vivre chez son père. Isabelle, elle demeurait avec moi de naissance jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans. Puis ensuite, elle était vivre avec son père. Elle n'a pas aimé l'expérience chez son père, soit là, elle est revenue chez moi. Mais vu avec son père, elle faisait tout ce qu'elle voulait, moi, j'avais des règlements. Puis mes règlements, c'était ça. C'est, j'ai trois enfants, puis il y avait des règlements. Elle m'écoutait pas. Quand Isabelle retourne vivre chez sa mère, la tension augmente. Dans son désarroi, la mère décide d'aller chercher de l'aide extérieure. Je fais tenir un thérapeute, un psychologue, puis elle avait pas besoin de ça, elle était capable de se débrouiller de ça. Je l'ai placée en famille d'accueil, puis ça allait super bien. J'allais la voir toutes les fins de semaine, elle venait chez moi, tout ça. Ça allait super bien. La relation entre Isabelle et sa mère s'améliore. Mais elles ont toujours un point de vue différent sur la manière d'entreprendre la vie d'un adulte autonome. Là, j'ai dit qu'il faudrait qu'elle se trouve un job pour être capable de se payer des affaires. Elle me dit, mon mère, elle dit, moi, je vais me trouver un chum qui va me faire vivre. Mais j'ai dit, dans la vie aujourd'hui, fie-toi pas sur un homme. C'est désolant, là, mais j'ai dit, c'est pas, ça marche pas de même. La mère d'Isabelle décide alors de faire elle-même des démarches pour trouver un travail à sa fille et réussit à lui dénicher un poste de serveuse dans un restaurant. La jeune fille en est à sa première journée de travail.
lorsqu'elle éprouve un violent mal de tête. Elle téléphone alors à sa mère, qui lui conseille de se rendre à l'hôpital. Les médecins l'examinent, et après quelques tests, un sombre diagnostic tombe. Isabelle n'a que 17 ans lorsqu'elle apprend qu'elle a une tumeur au cerveau et que l'on doit l'opérer de toute urgence. La jeune fille sort de cette opération sans séquelles. Mais elle envisage maintenant son avenir avec pessimisme. C'est alors qu'elle commence à consommer de la cocaïne. La première chirurgie, ça a bien été. Ça allait super bien, elle n'avait pas paralysé, là, absolument rien. Là. Mais elle sortait avec un petit monsieur, là, puis ça allait super bien. Il la gâtait toute. Puis ensuite, elle a comme consommé un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis de la drogue dure. Puis elle aimait ça. Isabelle a de moins en moins de réserves. Lorsqu'elle visite sa mère, elle n'hésite pas à consommer de la cocaïne. Souvent, le fait de vouloir une substance, c'est pour combler quelque chose, combler un vide, il y a un manque. C'est souvent des gens qui vont être carencés, qui vont avoir besoin. C'est pas juste l'effet plaisant de la substance. C'est que pendant ce temps-là, on souffre moins aussi d'une réalité qui peut être souffrante. La mère d'Isabelle la met en garde contre les dangers qu'elle court en consommant ainsi. Mais la jeune fille ne veut rien entendre. Et la drogue commence déjà à faire ses ravages. Lorsque 3 mois après sa première chirurgie, Isabelle apprend qu'elle a une deuxième tumeur. Cette fois, l'opération laisse de graves séquelles à Isabelle. Le côté gauche de son corps reste affaibli et elle a maintenant de sérieux problèmes d'élocution. Après sa deuxième chirurgie, Isabelle voit l'avenir de manière encore plus sombre. Elle engourdit son mal-être en consommant de plus en plus de drogue. Isabelle a compris que c'est sûr qu'il ne restait pas grand temps à vivre puis de profiter de la vie. Pour elle, ça n'a pas voyagé. C'est foirer avec ses amis, sortir, prendre un coup, prendre beaucoup de drogue, tout ça. Elle s'en foutait parce que pour elle, il ne restait pas grand temps à vivre. C'est comme si cette personne-là s'était dit « Demain n'existe pas, profitons du plus possible de la vie, mais en même temps, c'est satisfaisons nos besoins immédiats sans penser à l'avenir. » Et ce qu'on sait, c'est que si on veut être confortable dans l'avenir, faut investir un peu dans le présent aussi. Si on veut faire des études, si on veut mettre de l'argent en banque, si on n'est que dans la recherche de la satisfaction du plaisir immédiat, mais les lendemains vont être plus difficiles. C'est comme si cette fille-là s'était dit, moi, je vais prendre mon plaisir et tout ce qui me procure du plaisir, je vais me donner à fond, puisque de toute façon, il n'y a pas de lendemain. Ça peut être vrai s'il n'y a pas de lendemain, mais s'il y en a, on est en train d'hypothéquer notre avenir quand on est jeune en faisant ça. À 21 ans, Isabelle donne naissance à son premier enfant. Et un an plus tard, à son deuxième. Mais la jeune femme ne semble pas pouvoir assumer ses nouvelles responsabilités. Elle perd la garde de ses enfants. Ils ont été placés en famille d'accueil. Cause, consommation, violence. Puis c'était du monde qui dormait le jour, puis il veillait le soir. Puis une vie pour les enfants, c'était pas une vie. Mais je peux donner un plus à Isabelle. Quand elle avait des réunions pour aller voir ses enfants, Isabelle était même poquée à venir voir ses enfants. Puis moi, je la félicite pour ça, là. Elle s'est déplacée pour les voir, mais elle consommait, puis c'est ça là, qui ont dit, si tu changes pas, puis on lui a tout le temps dit, fais des thérapies, Isabelle. Fais des thérapies parce que ça va, tu vas perdre tes enfants. Mais non, j'ai pas besoin de thérapie, moi. La jeune femme s'enfonce encore davantage dans l'enfer de la toxicomanie.
mais vit uniquement de l'aide sociale. Pour combler ses besoins de drogue de plus en plus grands, elle ne voit alors plus que l'avenue de la prostitution. Isabelle Mournoyer, c'est une jeune femme de Sherbrooke. Je pense qu'il a pas eu facile dans la vie, une jeune femme dont la santé était déjà hypothéquée, mais qui se prostituait pour payer sa drogue. Et c'est le triste cercle vicieux de la prostitution et de la drogue. La vie de ma fille, dans ce temps-là, c'était... elle consommait beaucoup. Elle prenait beaucoup de boissons. Elle faisait de la prostitution. Tout ce qui est illégal, elle le faisait. Tranquillement, Isabelle va s'entourer d'amis qui gravitent dans le monde de la drogue et de la prostitution. Et dans cet environnement criminel, tous les coups sont permis. En l'espace de 5 ans, la vie d'Isabelle Beaunoyer se dégrade sous les yeux de ses proches. Victime de 2 tumeurs au cerveau, Isabelle voit son avenir assombri. Elle s'initie alors à la drogue et à la prostitution. C'est dans ce contexte qu'Isabelle fait la rencontre de Brigitte Lavallée, une prostituée de 20 ans son aînée, qui décide de la prendre sous son aile. Brigitte Lavallée naît à Sherbrooke en 1963. Cadette d'une famille de 5 enfants, Brigitte est choyée par ses parents. Adolescente, Brigitte décroche de l'école avant même d'avoir complété ses études secondaires. En 1992, Brigitte aura son premier enfant et en 1995, son second. Mais la relation avec son conjoint est houleuse et le couple se sépare. Dis-moi, je suis pas chanceuse quand je rencontre quelqu'un. J'ai dit, c'est vrai que t'es donc pas chanceuse avec tes relations. Elle dit, y en aurait plus, puis je veux plus tomber en amour avec personne. Brigitte perd la garde de ses 2 enfants au profit de son conjoint. C'est ensuite qu'elle tombe dans l'univers de la drogue et de la prostitution. En 2005, Brigitte fait la rencontre d'Isabelle Beaunoyer, avec qui elle se lie instantanément d'amitié. C'était comme 2 grandes amies. C'est elle-même qui m'avait dit qu'une fois j'avais appelé, elle dit « Brigitte, on est des grandes amies. Elle m'a sauvé la vie. Elle dit, avant, j'étais dans la rue. On est comme si je serais sa petite sœur, puis elle, c'est ma grande sœur. » Rapidement, Brigitte et Isabelle deviennent inséparables. Pour mieux oublier leur malheur, elles fument de la cocaïne. Le fait de partager des épreuves de façon similaire, ça peut souder les gens et les rapprocher. Ça, c'est pas nécessairement la même dynamique. On va comprendre l'autre, on va comprendre ce que l'autre souffre, puis on peut être, de façon altruiste, plus porté à l'aider. Donc, des amis avec qui on partage les mêmes souffrances peut amener à des amitiés plus sincères et plus solides. Brigitte présente Isabelle à André Filion, son fournisseur de drogue, de qui elle est tombée amoureuse, malgré ses expériences sentimentales éprouvantes. Brigitte Lavallée aurait voulu être la conjointe, aurait voulu être l'amoureuse d'André Filion, chose qu'André Filion voulait pas nécessairement. C'était une amie, c'était peut-être plus qu'une amie, mais c'était surtout une de ses principales clientes, parce qu'André Filion fournissait la cocaïne à Brigitte Lavallée et aussi à Isabelle Beaunoyer. Quelqu'un qui est foncièrement dépendant, sa crainte, c'est de manquer de substance et son désir, c'est d'en avoir et de ne pas en manquer. Donc, la personne qui va lui fournir ça est une personne qui va être précieuse, investie. Et si jamais cette personne-là pouvait tomber en amour avec elle, elle aurait un lien qui pourrait lui garantir d'en avoir peut-être plus facilement, peut-être à moindre coût. André Filion a 43 ans et il est bien connu des policiers. Son dossier judiciaire compte quelques crimes, dont vol qualifié, entrée par effraction et possession de stupéfiants.
Souvent, ces femmes-là ont besoin de s'identifier à quelqu'un qu'elles vont voir comme puissant, comme pouvant les protéger. C'est un leurre, parce que souvent, ces hommes-là, oui, ils peuvent les aimer, mais c'est passager, ils peuvent aimer bien d'autres personnes. Donc, c'est une fausse impression de sécurité qu'elles vont avoir, mais spontanément, elles vont être attirées par ces gens-là qui ont l'air de dégager une puissance. Et ça sera pas une attirance simplement d'amour, ça va devenir une attirance de dépendance et presque de survie dans leur tête à eux. Isabelle et Brigitte passent leur journée à se prostituer pour ensuite payer leur consommation de cocaïne. Elle était partie sur le power. Elle m'appelait dans 3-4 heures du matin pour me dire « Hey, maman, je suis buzzée au bout, là. » Puis là, je dis, ça se peut pas. Puis là, j'ai dit, pourquoi tu m'appelles à cette heure-là, là, c'est pour me dire des niaiseries, rappelle-moi pas, là. Rappelle-moi que tu vas être à jeune. Au début du mois d'août 2007, Isabelle et Brigitte décident de louer une chambre dans un hôtel de Sherbrooke qui devient le centre de leurs activités. Deux semaines plus tard, le 18 août, Isabelle et Brigitte se rendent dans une fête pour y livrer de la cocaïne et offrir leurs services de prostitution. Un des hommes présents semble trouver qu'il manque de la cocaïne dans le sac que les deux femmes ont livré. La situation dégénère rapidement. L'origine de l'histoire, c'est qu'il manquait de la, il manquait de la drogue. Les filles en auraient consommé plus que supposé avec les gens sur place. Est-ce qu'il y a eu un vol de drogue sur place? L'histoire le dit pas. Brigitte appelle alors André pour calmer les esprits. Tout débordement susceptible d'alerter la police ne pourrait qu'alourdir le cas d'André qui est sous probation. Il se rend donc à la rescousse de Brigitte et Isabelle et règle rapidement l'affaire. Les trois reviennent à la chambre d'hôtel où ils font la fête et consomment une grande quantité de cocaïne. Malgré l'effet de la drogue, ils finissent par sombrer tous les trois dans le sommeil aux petites heures du matin. Vers la fin de l'avant-midi, les trois traînent encore dans la chambre d'hôtel, affectés par leur consommation excessive de cocaïne. Pour sortir un peu de son état léthargique, Isabelle veut s'acheter un café, mais ne trouve pas son argent. Elle accuse alors Brigitte et André de l'avoir volé. Il faut comprendre que quand on prend de la cocaïne, il y a une période d'extase où on se sent bien, mais si on en prend moindrement régulièrement ou des grosses quantités, les personnes sensibles vont rapidement glisser vers des symptômes paranoïdes. Des gens qui développent des délires paranoïdes sur la cocaïne, c'est pas rare. Puis plus on en fait régulièrement et plus les doses augmentent, plus on est à risque et plus les délires risquent d'être importants. Le ton monte et les trois sortent de la chambre. À l'extérieur, la querelle s'envenime particulièrement entre les deux amies, Brigitte et Isabelle. Le conflit s'intensifie dans le couloir de l'hôtel. Si on reparle de cette relation-là à trois, on sait que les gens qui peuvent souffrir de troubles de personnalité limite, une relation à trois, c'est très, très insécurisant. On est toujours à risque que l'autre personne nous vole notre chum. Et ça fait monter une anxiété qui est parfois intolérable, d'où la propension de ces gens-là à vouloir éliminer l'autre et à le tasser du chemin. Donc, autant on veut se débarrasser de la troisième personne qui est vue comme une rivale, qui suscite des sentiments de jalousie, même si c'est pas... même si dans la réalité, il n'y en a pas, mais c'est une pulsion qui va monter de jalousie qu'il faut éliminer l'autre. Brigitte refuse de s'en laisser imposer par Isabelle devant André et s'enferme dans la chambre. Le conflit prendra bientôt des proportions explosives. Le 19 août 2007, dans un hôtel de Sherbrooke, Brigitte Lavallée, Isabelle Beaunoyer et André Filion se réveille après une nuit passée à consommer de la cocaïne. Une dispute éclate entre les deux femmes à propos d'une somme d'argent manquante et la querelle dégénère. Les deux femmes s'insultent de part et d'autre de la porte de chambre.
Après quelques minutes, Brigitte fait entrer André, laissant Isabelle seule dans le corridor. Il y a premièrement, au niveau de la rivalité, il y a deux femmes, il y a un homme, il y a une femme qui manifestement aime cet homme-là. Il y a des formes de troubles de personnalité que spontanément, et ils vont voir les autres comme des rivaux et c'est intolérable d'imaginer que quelqu'un pourrait menacer cette relation-là. Donc, il y a cet élément-là. Mais il y a surtout l'élément de vouloir plaire à la personne qu'on estime. Elle veut être dans les bonnes grâces de ce fournisseur-là. Elle veut qu'il l'aime. Elle veut être appréciée. Elle veut être considérée. Elle veut être la seule et unique qu'il va considérer. Après avoir supplié son amie Brigitte de la laisser entrer dans la chambre, Isabelle part en pleurant. Elle appelle Brigitte et va même jusqu'à lui présenter des excuses pour l'avoir accusée de vol. Mais Brigitte coupe court à la conversation. Souvent, les gens n'ont pas vraiment le choix. Ils ont un petit réseau auquel ils tiennent. S'ils se font expulser de ce réseau-là, ils sont tout seuls, ils sont abandonnés. Des fois, les gens endurent des choses inacceptables simplement pour ne pas perdre les quelques personnes qu'ils connaissent. Isabelle revient devant la porte de la chambre. Elle est furieuse et commence à crier. Brigitte la menace d'appeler la police si elle ne part pas. Isabelle Morin cogne à la porte. André Fillon, Brigitte Lavallée ne répondent pas à Isabelle. Mais finalement, à travers la porte, Isabelle Bournoyer décide de faire la menace ultime. Ce qui semble avoir été l'élément déclencheur, c'est de menacer André Fillon, de le dénoncer à la police comme étant un vendeur de poudre, un vendeur de cocaïne. L'ultimatum effraie André au plus haut point. Brigitte décide de prendre sa défense pour forcer son admiration. Elle ouvre la porte de la chambre, fonce sur Isabelle et l'entraîne à l'extérieur de l'hôtel. Brigitte force Isabelle à s'asseoir sur la banquette arrière, alors qu'André prend le volant de la camionnette. André suit les directives de Brigitte et emprunte la route 112 en direction de Toddswell. Brigitte Lavallée, c'est exactement où elle s'en va, c'est-à-dire chez sa mère, à Toddswell. De Sherbrooke, ça doit être à peu près une vingtaine de minutes en auto. C'est un coin reculé, ça. C'est une maison en secteur rural. Retiré, les voisins sont à peu près une centaine de mètres les uns des autres. La maison est retirée de la rue aussi à une bonne centaine de mètres de la rue. Une fois arrivée, Brigitte descend du véhicule et ordonne à André de continuer avec Isabelle sur le chemin menant à un boisé. Elle entre dans la maison, où elle restera quelques minutes avant d'aller rejoindre ses amis. Spontanément, quelqu'un va être rassuré de faire quelque chose d'illégal dans des lieux où il connaît. Au moins, il connaît les environs, il connaît les lieux, il y a quelque chose de rassurant dans ça. Donc, spontanément, on n'est pas surpris que ce soit un endroit qu'elle ait choisi, et elle n'a pas choisi ça parce qu'elle est intoxiquée, d'après moi. C'est parce qu'il y a quelque chose de rassurant, on sait où on est, on a des points de repère, c'est plus facile de s'organiser que si on est dans un endroit inconnu, ça génère plus d'angoisse. André surveille Isabelle, qui ne se doute aucunement que celle qu'elle considère comme sa grande sœur s'apprête à la trahir. Les trois se retrouvent là dans le chalet, dans le bois. Et là, Brigitte Lavallée offre une cigarette à Isabelle Bournoyer. Dit, veux-tu une dernière cigarette? Profite-en, ça peut être ta dernière. Donc, Isabelle Bournoyer ne sait pas trop ce qui va lui arriver, fume sa cigarette. Soudainement, Brigitte force Isabelle à sortir du camp et lui ordonne de s'asseoir. Puis, elle lui demande d'enlever son chandail. André, lui, assiste à la scène en retrait. Isabelle ne semble pas saisir toute la gravité de la situation. Brigitte demande alors à Isabelle où se trouve son cœur. Sans vraiment comprendre la signification de cette question, Isabelle lui montre son emplacement avec sa main.
Probablement qu'elle n'y croyait pas, elle ne pensait pas que les gens iraient si loin que ça. C'est ce qui fait qu'elle, probablement que le raisonnement qu'elle se tenait, c'est si je collabore, ils vont arrêter, ils vont être assouvis, ils vont être comblés, et je n'ai qu'à collaborer et la violence va diminuer. Ce qui est une erreur parce que cette violence-là a besoin de s'exprimer et les gens en cherchent de plus en plus. Et si la personne collabore, souvent ils vont être obligés d'aller plus loin pour avoir le niveau d'intensité qu'ils recherchent. Brigitte sort alors un couteau qu'elle avait caché dans son dos et poignarde Isabelle une première fois. Isabelle tombe face première. André s'avance pour lui donner un coup de pied au visage, mais Brigitte l'en empêche. Elle veut être seule à diriger l'opération meurtrière. Elle assène un coup de couteau ultime dans le dos d'Isabelle. Isabelle Beaunoyer a été poignardée à 5 reprises, sous le sein gauche, au thorax, au dos et au poignet. Les coups causeront un traumatisme cardiaque, un pneumothorax, une lacération au foie et une atteinte à l'aorte. Après avoir asséné plusieurs coups de couteau à Isabelle, Brigitte, aidée d'André, ligote ses poignets et ses chevilles. Par la suite, le duo Lavallée-Filion enveloppe Isabelle Beaunoyer dans un polystyrène, un grand plastique, l'enveloppe là-dedans, l'attache puis la recouvre de branches. Des branches qu'il trouve par terre, la recouvre de branches. André suggère de dissimuler les traces du meurtre en enterrant le corps d'Isabelle. Mais Brigitte refuse. Elle propose plutôt de revenir le lendemain pour ensevelir le corps. Ça peut être simplement que finalement, elle ne voulait pas donner d'importance à cette personne-là. Ou encore, on est dans la même dynamique que pendant qu'on enterre cette personne-là, on est en train de se préoccuper d'elle, on est en train de faire quelque chose avec elle dont elle est exclue. Donc peut-être qu'elle ne voulait pas que son amoureux, la personne qu'elle investit, s'occupe de ce corps-là, de cette personne-là, et qu'elle avait dit « non, occupe-toi-en pas de elle », comme si c'était un détournement d'affection, moi je vais m'en occuper. Brigitte et André laissent le corps d'Isabelle derrière eux et quittent les lieux. Ils retournent dans l'appartement d'André et y déposent tous les objets personnels dérobés à Isabelle, ainsi que le couteau ayant servi à l'assassiner. André et Brigitte prennent alors une douche, puis ils vont tranquillement se coucher. Le lendemain, André Filion, qui parallèlement à ses activités illicites, occupe un emploi dans le domaine de la construction, se rend au travail, comme d'habitude. Les deux complices sont certains que le corps d'Isabelle Beaunoyer ne sera pas découvert dans ce lieu isolé. Ils se pensent à l'abri, mais ils seront très rapidement détrompés. Dès le lendemain, Brigitte Lavallée et André Filion sont arrêtés et conduit au poste de police. Brigitte Lavallée est arrêtée au domicile d'André Filion et André Filion est arrêté aussi là, sur les lieux de son travail. Les policiers leur révéleront alors une nouvelle des plus inimaginables. Brigitte et André ont commis une erreur qui leur sera fatale. Ils ont laissé un témoin derrière eux. Ils ignorent que derrière la prostituée droguée qu'ils connaissent se cache, en fait, une femme dotée d'une détermination surhumaine. Après avoir été sauvagement poignardée, ligotée, enveloppée dans un sac de cellophane et ensevelie sous un tas de feuilles, Isabelle vit toujours. Lorsqu'elle entend la camionnette d'André s'éloigner, elle est saisie d'une volonté de survie hors du commun. C'était plus vraiment plus chaud. Plus j'avais un plastique, plus j'avais vu l'émission en ligne qui parlait de quand on a peut-être développé dans du plastique, de respirer tranquillement pour
pour économiser l'air. Puis, il fait que j'ai respiré tranquillement. Isabelle déchire les liens qui la retiennent avec ses dents. À peine libérée, elle réalise qu'elle est très grièvement blessée. Et si elle ne trouve pas du secours dans les minutes qui viennent, la jeune femme sait qu'elle risque de mourir dans le bois sans que personne ne puisse venir à son aide. Je sentais plus rien. Juste que quand j'expirais, le sang volait, puis j'étais comme un peu sonné. Puis je me suis levé, puis j'étais tout désorienté. Ce qui est clair, c'est que c'est quelqu'un qui avait une force en dedans d'elle assez inhabituelle. Ne serait-ce que physiquement, pour rester en vie d'une agression comme celle-là, mais au niveau psychologique, ok, aussi, c'est quelqu'un qui semble s'être construit des mécanismes de défense très efficaces depuis l'adolescence. Isabelle puise dans les forces qui lui restent et avance péniblement sur le chemin menant vers la route. Lorsqu'elle aperçoit la maison où Brigitte s'était arrêtée, elle décide de s'y rendre. Même si elle sait trop bien qui y habite. Ça cognait à la porte, puis j'ai regardé, j'ai pas vu personne. Puis ça recognait, puis je pensais que c'était mon mari qui cognait, puis là j'ai dit, hein, j'ai ouvert le châssis, mais je la voyais pas. Je me suis penché, puis... Lui, j'ai crié, mais il me répondait pas. Apeurée, la mère de Brigitte Lavallée ouvre la porte au moment où Isabelle, à bout de souffle, s'écroule à ses pieds. Isabelle est en face de la mère de Brigitte, l'amie qui vient tout juste de tenter de l'assassiner. Elle ne parvient pas à parler. La mère de Brigitte contacte le 911 pour demander l'aide des ambulanciers. La répartitrice lui donne immédiatement des conseils. Les ambulanciers arrivent rapidement sur place et transportent Isabelle aux urgences. Isabelle Beaunier va à l'hôpital et la police, par la suite, est chargée de l'enquête parce qu'il y a une ambulance qui arrive, donc... Les autorités, les policiers sont mis au courant. L'enquête commence, puis rapidement, les soupçons se tournent vers Brigitte Lavallée, André Filion. Quand Isabelle était à l'hôpital, personne ne la connaissait. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas rien, parce qu'elle a fait comme, elle est tombée comme dans le coma. Ils l'ont opérée, puis là, ben, il y a un monsieur qui a passé, puis il a dit, ben voyons, il dit, je la connais, cette petite fille-là, elle s'appelle Isabelle. La mère d'Isabelle apprend l'horrible nouvelle deux jours après le drame. Pendant ce temps, Brigitte Lavallée et André Filion comparaissent au palais de justice de Sherbrooke sous des accusations de séquestration et de tentative de meurtre. Le procès d'André Filion s'ouvre le 22 décembre 2008 à Sherbrooke. Près de 16 mois après les événements, Isabelle Beaunoyer témoigne et raconte sa version des faits. La police est arrivée, elle ouvre la porte, puis elle nous a demandé d'entrer dans une petite cabane dans le bois. Puis elle m'a demandé de une chaise. Je me suis assise sur une chaise, puis elle me dit... Elle m'a donné une chaise, elle me dit pas plus tard, c'est dernière, tu vas fumer. Je dis, voyons, non, c'est quoi le fuck, là? C'est quoi ton problème, là? Qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça bizarre, là. Je commence à avoir peur un peu. Puis après, elle m'a mangé des suives. Puis elle m'a mis dans le bois, elle m'a fait ça sur une souche. Puis... J'ai dit que c'est difficile. Puis elle m'a demandé où était mon cœur. Puis elle m'a montré, puis elle m'a piqué plus simple. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Puis André Filion voulait me crinquer dans la face. Puis il dit, non, c'est ça pas, c'est moi qui l'achève. Mais ce n'est que... Juste que quand j'ai entendu, quand il a dit, on l'entend tout de suite. Je lui ai peur.
que j'étais pas là, mais j'étais consciente. Je suis pas bougé, je peux pas parler, mais je suis là, tu sais. C'est très difficile. Malgré la douleur que les souvenirs de ces pénibles instants lui font revivre, Isabelle continue son témoignage en incriminant de plus en plus André Filion. Isabelle Beaunoyer, elle raconte sa version des faits et justement de dit que André Filion a offert un gramme de poudre à Brigitte Lavallée pour aller jusqu'au bout, chose qui aurait été répétée deux ou trois fois entre l'auberge royale et le moment où elle se fait poignarder. Quand il met un pied, là, il a dit, tu vas l'avoir, son gramme de fer, continue, il va jusqu'au bout. André, il a dit, on l'entend tout de suite. Puis là, ben, il a dit non. Il a regretté un peu ce matin, on l'a dans tes mains. Qu'est-ce qu'il a dit? Brigitte Lavallée est également appelée à témoigner. Elle tente par tous les moyens de disculper André Filion. L'avocat d'André Filion, Maître Martin Latour, a appelé Brigitte Lavallée pour venir témoigner dans le procès, dans le fond, d'André Filion, en défense d'André Filion. Et c'est à ce moment-là que Brigitte Lavallée a pris tout le blâme, a dit « Non, c'est moi qui a fait, c'est moi qui a mené André Filion. Jamais il m'a offert rien en échange du fait que je poignarde Isabelle Beaunoyer, que je tente de la tuer. » C'est des médicaments qui l'ont rendu à faire un acte pareil. Parce que quand elle est sortie de la cour la première fois, là, je l'attendais, elle sortait, là. Elle m'a pris dans ses bras, elle pleurait, puis elle dit, maman, je pense que je te prévenir folle. Ça n'aurait pas pris de drogue, puis les antidépresseurs, jamais qu'elle aurait fait ça de sa vie. Jamais. Les témoignages de Brigitte Lavallée et d'Isabelle Beaunoyer sont contradictoires. Lavallée tente de semer le doute auprès du juge. Qui dit vrai entre ces deux toxicomanes prostituées à la crédibilité discutable? Le 22 décembre 2008 débute le procès d'André Filion, accusé de tentative de meurtre contre la toxicomane et prostituée Isabelle Beaunoyer. Les témoignages de la co-accusée Brigitte Lavallée et de la victime sont contradictoires. Le juge doute fortement de la crédibilité de Brigitte Lavallée et balaie du revers de la main son témoignage. Retenant plutôt la version de la victime, Isabelle Beaunoyer, à l'effet que Filion aurait encouragé les événements. Selon lui, Brigitte Lavallée, qui est une toxicomane, était sous l'emprise de son vendeur de drogue, André Filion. Selon lui, c'était une aventure commune. Donc, André Filion devait être tenu responsable autant que Brigitte Lavallée, même s'il tenait pas le couteau à ce moment-là, était complice là, dans l'histoire, là, dans la tentative de meurtre. Le 18 février 2009, André Filion écope d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. Brigitte Lavallée, elle, est remise en liberté sous plusieurs conditions en attendant la tenue de son procès. Mais elle ne respecte pas les exigences fixées. Elle avait une condition de ne pas consommer de drogue. Les policiers de Sherbrooke la connaissaient aussi dans le petit milieu de consommateurs de prostitution. C'est une figure connue. Donc, à ce moment-là, les policiers ont vu Brigitte Lavallée, l'ont reconnue, l'ont arrêtée. Elle a comparu devant le juge pour bris de condition. Parallèlement aux accusations de séquestration et de tentative de meurtre qui pèsent contre elle, Brigitte Lavallée est condamnée à 15 jours d'emprisonnement pour bris de condition. Le 15 juin 2010, presque trois années après les événements, Brigitte Lavallée écope d'une peine de 8 ans d'emprisonnement, une peine plus clémente que celle imposée à André Filion. Je les ai toujours soutenus, puis les enfants, c'est toute notre vie, hein. Et c'est pour ça que je dis, je la lâcherai pas. Le juge a retenu que Brigitte Lavallée avait été victime de son revendeur, qui la subjuguait. Sa dépendance l'aurait forcée à tout faire pour obtenir plus de drogue, de même que l'affection exclusive et la protection de ce revendeur sans scrupules.
Isabelle Beaunoyer, elle, vit toujours dans la crainte que Fillion et Lavallée n'envoient quelqu'un pour l'achever. Ça veut tout un truc qui s'est passé, puis j'ai même pas besoin d'en parler, parce que ça me fait mal. J'ai de la peur. Je vais envoyer quelqu'un, je sais pas finir la job, je sais pas, j'ai peur. Malgré le support qu'elle reçoit de sa famille, Isabelle a de grandes difficultés à surmonter cette épreuve. Elle parle pas de l'agression parce qu'elle s'est bâtie un mur devant elle. Elle a beaucoup d'épreuves dans sa vie, son enfance, tout ça, qu'elle veut pas en parler. Mais moi, je dis tout le temps, faut que t'en parles. Brise le mur. C'est parce que là, il est en train de te caler, là. Il s'en vient, puis il monte, puis il monte, puis il monte. Enlève une brique. Parle-en de sa brique-là. Enlève l'autre brique. Parle de sa brique-là. Faut parler dans la vie. J'ai pas de prescription, mais je m'arrange pour avoir des pilules pour dormir. Ou je fais du spin, puis j'ai un peu de la nuit. Tout simplement. Je suis persuadé que cette personne-là est encore souffrant d'un trouble de stress post-traumatique. De ne pas dormir, c'est assez fréquent dans des situations comme celle-là. Le fait de faire des cauchemars reliés à un événement est un des critères du trouble de stress post-traumatique, est un critère typique. Et ce que les gens vont dire, c'est que c'est extrêmement souffrant. Et l'idée qu'on va dormir et que ça va revenir nous hanter et qu'on va ressouffrir en dormant font que les gens, effectivement, ne veulent plus dormir. Pour Isabelle, la plus puissante motivation pour se sortir de l'enfer de la drogue est l'espoir de retrouver la garde de ses deux enfants. Là, elle les a pas, là. Mais un jour ou l'autre, elle va sûrement les voir. Mais moi, j'y répète. Isabelle, un jour, tu vas voir tes enfants. Mais c'est pas tout de suite. Puis la manière, c'est parti là. Moi, je te regarde, puis j'aimerais pas... si j'arrête ta fille ou ton garçon... Je viendrai même pas vous te le montrer parce que j'ai honte un peu de qu'est-ce que tu fais. Si tu changerais un petit peu puis tu me, en voulant dire, si elle changerait l'entourage puis elle ferait une belle vie là peut-être là, j'irais, regarde, je suis fière de te montrer tes deux enfants, le gars. Tu as fait des épreuves, puis gars, c'est beau là, je te félicite, le gars. Tu peux voir tes enfants une fois par mois puis tranquillement. Suite aux événements tragiques d'août 2007, Isabelle tente, non sans peine, de reprendre le contrôle de sa vie. Mais je pense que je dirais merci parce que m'ont fait changer le mode de vie qu'elle avait. Pas merci, mais tu sais, je dirais que je suis contente d'avoir changé le mode de vie qu'elle avait. Puis... Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait, je n'oublierai jamais. Tu sais, je ne pourrais jamais l'oublier non plus. J'ai tellement de signes qu'elle m'a fait ça. Je ne reviens pas qu'elle m'a fait ça. Pour apaiser leur souffrance, quelques jeunes femmes développent des problèmes de toxicomanie et se retrouvent souvent à se prostituer pour payer leur drogue. Un cercle vicieux, dont il est très difficile de sortir, s'installe alors et de fausses amitiés s'établissent. Avant de porter un jugement hâtif, il faut toujours savoir reconnaître le mal-être que certaines de ces femmes dissimulent sous leurs apparences trompeuses et se demander si on peut faire quelque chose pour leur venir en aide. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ?